Donc, re-coucou tout le monde, me voici du coup pour la troisième vidéo. Désolé, je cherche un stylo. Voilà, du coup pour la troisième vidéo, ouverture de courrier pour mon concours. Donc, j'ai reçu trois colis. Donc, je suis désolée, j'ai pas encore envoyé les emails, il faut que je les fasse. Et j'ai pas eu le temps cette semaine, c'est un peu compliqué avec le boulot, mais je crois que j'ai tout reçu, si je me trompe pas. Donc, là, j'ai reçu un colis de Cathy. Cathy qui m'a un peu gâtée. Hop, je vais préparer tes petits papiers. Je sais même plus au numéro combien on est. Il faut que je recompte. Hop, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on est au numéro 16. Si je me trompe pas. Je vais marquer ton numéro. Cathy L, numéro 16. Hop. Je vais marquer pour le prochain 17 parce que j'ai oublié. Voilà. Et le petit papier. Si je marque pas ton prénom, ça va pas le faire. Oh, oui, oui. Ça va pas en ce moment, moi. Voilà, ça c'est préparé. Donc j'ai reçu une petite carte. Vraiment très très belle. Ton tampon de fond, je l'adore. Il est vraiment très beau. Effet écriture comme ceci. Elle m'a mis en relief ici une étiquette avec... enfin un fond de... Ici, un fond. Et un sapin. Avec des fleurs ici devant. Et ici, une étiquette Merry Christmas. Moi, j'adore le sapin, il vraiment serait très beau. Dans les tons... Je pense que c'est toi qui a fait le fond, la couleur de fond là, de la carte, elle est vraiment belle. Les nuances comme ça, en fait, de bleu. Avec les écritures, ça ressort super bien. Et puis, j'adore le bleu. Donc tu as participé au concours de Noël, je crois. Donc j'ai fait deux étiquettes, je sais pas pourquoi, mais... Donc c'est pas grave. Je la mettrai de côté. Donc merci beaucoup pour ta petite carte, je l'adore. Dans les tons bleus comme ceci. Donc ici, on a un petit sachet. Alors on a mis... Des découpes. Oh oui. Beau celui-là, ouais, je le laisse là, je crois, la découpe de sapin, mais c'est vraiment pas mal dans le ton bleu que tu m'as fait. Petit bonhomme de pain d'épices pailleté. Ah, ça, j'adore les têtes de reine. En fait, tout ce qui est reine, j'adore. Ta découpe, elle est magnifique. Je me demande si c'est pas celle que j'avais acheté à AliExpress. Et oula, ah oui, tu m'as gâté. Ouh là, ils sont vraiment beaux les tamponnages. Donc ici des boules de neige. Des petites suspensions ici, on dirait des petits bonhommes de pain d'épices. On dirait ceux d'action d'ailleurs. Des petites boules. Un tamponnage. Warm wish and love. Je suis désolée, mon anglais est pourri. Hein. Une tête de bonhomme de neige. Celui-là, je l'adore, il est trop mignon. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais le petit chien comme ceci, avec le bonnet de Père Noël. Oh, celui-là aussi, il est trop mignon. Regardez. Les tamponnages, je les adore. Jingle bells. We wish you a Merry Christmas. Celui-là aussi, j'aime bien. Special delivery from the North Pole. Si c'est un d'action, mais j'espère. Parce qu'elle est vraiment sympa. Ah, je l'adore. Oh, le Père Noël comme ceci. Je sais pas où t'as eu ces tampons, mais oh, celui-là, j'adore. J'adore tout ce qui est comme ça. Une voiture, la voiture avec le sapin comme ça. J'adore ces tamponnages. Encore un panneau. L'oiseau de Noël.
Approved by Santa's Workshop. Oh, le renne est trop mignon. Joy to the world. Je sais pas si. It's a wonderful time. Oh, le bonhomme de neige. Regardez. La boule de neige, comme ceci. Son visage et son pelage, on dirait que c'est dessiné, ça fait un effet bizarre. On dirait que c'est dessiné à la main. Et celui-ci. Donc voilà pour ces petits tamponnages. Et ces décos, franchement, j'adore ce avec les chiens. Je suis désolée, c'est mon téléphone qui me sonne. J'ai mon petit frère qui m'harcèle. Hop! Et ici, très belle ATC de Noël, comme ceci. Holy Night. Numéro 2 sur 24. 4 disques. Ah voilà, donc elle a une chaîne 4 scrap. Une chaîne ou le nom. Je crois que c'est une chaîne que tu as, si je me trompe pas. Donc 4 scrap. En thème de Noël comme ça. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'ATC, mais ils sont vraiment très belles. Un effet comme ça. Noël enneigé. Moi j'aime bien. J'aime bien Noël. Parce qu'avec Noël, on peut faire plein de choses. Donc ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Je crois que c'est un petit album, si je ne me trompe pas. Et vraiment, il est vraiment lourd. En 3D, la couverture Merry Christmas. Franchement, merci beaucoup. Donc je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. Ah oui. Ah oui, c'est avec le papier de chez Action, je pense. Les blocs Papercraft, je crois. Ou pas les blocs, mais les dernières. Les Papercraft, c'est. Vous voyez, vous pouvez ici glisser une photo. Ah non, bah d'accord, ça s'ouvre. Oui, j'ai pas encore ouvert. Donc ici, il y a une pochette. Il est vraiment beau celui-là. Je vais le mettre sur ma petite étagère. Quand je les aurai accrochés ici, vous avez une petite pochette. Il est trop rigolo, j'adore. Il est trop mignon. Voilà, encore une pochette. T'as dû t'amuser à le faire. Ici, vous avez une pochette. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut enlever. Ouais. Non, j'ai pas envie d'allumer. Ah si. Ah d'accord, tu m'as fait ainsi. Ah d'accord, j'avais pas vu. J'ose pas en fait, j'ai peur d'allumer. Oh. T'as dû t'amuser à faire l'album. Oh, j'arrive pas à l'enlever. Ah d'accord, oui pour mettre les photos. D'accord. Ici pareil, vous avez des tailles. Donc là pareil, à mon avis, c'est la même chose que l'autre avec l'appareil photo. Pour mettre les photos, d'accord. Ok. Tu m'as fait ouais. Un très joli album. Franchement, j'adore. Avec les petits tags et tout. Oh là là, il est vraiment épais. On peut mettre pas mal de photos. Donc merci beaucoup pour ton album. Je l'adore celui-là. Je le poserai sur un petit présentoir sur une de mes étagères. Franchement, merci beaucoup. Hop, je vais refermer. Je pense que je le mettrai ouais, sur mes étagères, sur un petit présentoir. Faut que je le retrouve. Donc franchement, merci beaucoup. T'as dû t'amuser à le faire. Parce que vu le nombre de pages que t'as fait, franchement, merci beaucoup. Donc, tu as participé au concours de Noël. Donc il faut que j'en enlève une étiquette. Donc je remets là. Il faut que si je pense à t'envoyer un email parce que j'en ai d'autres à faire. Faut pas que j'oublie. Donc tu as participé au concours de Noël. Donc voilà ta petite étiquette. Numéro 16, Cathy L. Hop. Faut pas que je me trompe. Donc dans celui de Noël. Hop. Donc merci beaucoup pour tes petites créations. J'adore.
Ensuite, c'est un colis de Sandrine R. Alors là, j'ai adoré ta carte. Je vais marquer numéro 17. Hop. Sandrine R. Marqué 18 pour le prochain avant d'oublier encore. Ah oui, j'ai oublié. Cathy m'avait mis un petit washi aussi avec des pingouins. Vraiment mignon. Désolée, j'ai mon frère qui me harcèle. Donc voilà, j'ai oublié de vous montrer. Il était caché sur le côté. Donc merci beaucoup. Donc Sandrine R. J'ai adoré ce que tu m'as fait. Cacher le mot. Et oui, ça me fait plaisir. Franchement, bravo. Je te prépare ton deuxième papier. Donc, je vais commencer par ce qui n'est pas pour le, vraiment pour le concours, en quelque sorte, on va dire. Mais elle m'a mis des petites découpes. Donc ça va, j'ai 17 minutes. Ça va encore. Oh oui, ils sont vraiment très beaux. En plus, les découpes que tu as fait dans les tons blanc et doré. Ah, blanc et argenté. Pas doré. J'adore. Donc là, il y a des petits flocons de neige. Hop, 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 hop. Il y en a plusieurs. Tac. Un effet miroir comme ceci. Ici, le N, le L, le E. Donc, il y en a plusieurs. Je pense que ça, c'est pour faire le O de Noël. Elle est pas mal, cette découpe. Comme ceci. Donc, les écritures Noël. Hein. On m'a fait en argenté et en blanc. Donc, on peut même mélanger les couleurs. Ça peut être pas mal. Franchement, cette découpe, elle est vraiment pas mal. Je sais pas où tu l'as trouvée aussi. Avec le haut en forme de boule de sapin. Des petites découpes. Ah, j'arrive pas à l'enlever, j'ai pas envie d'arracher. Ah, Noël. Comme ceci, si je vous montre le noir. Ça sera peut-être mieux. Comme celui-là, il est pas mal. Donc il y en a un rouge et un noir. Il y a des étoiles, des flocons de neige aussi en rouge ici, avec un effet pailleté argent, doré sur certains endroits. Celui-ci, pour une ATC, ça peut être pas mal. Un fond comme ceci. Noël, je sais pas, ouais, c'est la bonne année. Oh, elle est belle. Si, bonne année. Et vous avez encore Noël en argenté. Ah, le renne, celui-là, je l'ai. Ouais. Il est vraiment très très beau. Je l'adore celui-là. J'aime bien l'utiliser. Vraiment très très beau. Bon. Ah, je ne sais pas si c'est le même que moi, mais il y a le traîneau avec. Même celui-là, il est beau. La boule comme ça avec le sapin. Oh, franchement, tu as les découpes de Noël. Magnifique, donc merci beaucoup 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 pour tes découpes et j'adore son, je vais la laisser dans la petite pochette pour l'instant, mais regardez sa memory dex. Non, je vais l'enlever parce qu'avec le reflet on va rien voir. Et puis il y a plein de paillettes pour mettre partout. Je crois que c'est sur AliExpress que j'avais vu, je savais pas quoi en faire et finalement et ben elle est plutôt sympa, ça fait une petite télé comme ceci. Noël, franchement je l'adore. J'ai craqué sur ta memory dex. Vraiment trop belle, une petite télé comme ça avec Noël. Un petit chapeau, il est trop mignon. Voilà pour sa memory dex. En tout cas je l'adore, elle est vraiment trop belle la petite télé. J'aurais pas pensé, ouais, j'avais vu ça sur AliExpress, mais je savais pas vraiment ce qu'on pouvait en faire et franchement tu m'as donné une idée. Donc je vais peut-être le commander. Et celui-là, donc je l'ai un peu arraché ici parce que je croyais qu'on ouvrait par en haut.
Mais je vais mettre un bout de scotch. Parce que ça m'énerve, il se palote et ça m'énerve. Pour l'instant. Vu que j'ai pas les étagères, je préfère les ranger dans les enveloppes, les vos créations. Et je les ressortirai après. Parce que pour l'instant, mes murs sont vraiment blancs. Donc voilà, sa petite carte. Je l'ai adoré parce que c'est un effet comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc pour la poser, c'est parfait. Donc voilà. Et ici, elle m'a mis une ATC de Noël. J'ai craqué dessus aussi. Je sais pas comment t'as fait le truc blanc. On dirait comme sur de la, c'est de la mousse. Je sais pas. Pailleté. Je sais pas où t'as trouvé, mais c'est vraiment pas mal. Même le petit canne à sucre ici, vraiment très 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 joli. Ça doit être un moulage que t'as dû faire. Je vois que c'est toi qui as colorié. Avec le. Comme un effet bouton ici, Père Noël. Avec. Ho. 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 Ho ho ho. Mais en fait, au milieu, on dirait pas un ho, c'est pour ça. Ah, j'adore ta petite ATC est vraiment trop mignonne. Donc 2 sur 2. En plus, dans les tons rouges et blancs comme ça, ça fait vraiment très, très bien Noël et moi j'adore. Et ici, un petit tag avec des sapins. Donc ouais, celle-là aussi sera sur mes petites étagères. Mais il va falloir que je fasse un choix à force parce que je veux tous vous mettre, mais il n'y aura pas assez de place. Et franchement, elle est vraiment trop belle. Un thème comme ça, Noël, blanc et rouge. Et joyeux Noël ici en 3D, un peu plastifié, bombé, je sais pas comment ça s'appelle. Ici, le petit ours. Et elle m'a mis une petite clochette ici. Donc franchement, merci beaucoup pour ta carte. Moi, j'adore. C'était avant d'aller au boulot, en plus, un matin, j'ai vu ça. Je suis franchement, j'ai pas eu le temps de trop regarder, mais franchement, j'avais flashé dessus. J'ai adoré ce que tu m'as fait. Si j'arrive à la ranger. Donc, franchement, merci beaucoup. Et ça me plaît. Et merci. Merci pour... oui. C'est grâce à vous si j'ai mis l'abonné. Hein. C'est grâce à vous, c'est vous qui me suivez. Franchement, comme je vous dis, je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui me suivraient. C'est pas évident en plus pour moi. Je suis un peu timide. C'est pas évident de me parler comme ça devant une caméra. Voilà. Donc, je vais me dépêcher parce qu'il va me rester à peine 10 minutes pour l'autre colis. Donc. J'ai écrit tes noms, hein. Je t'ai pas montré, je suis bête. Voilà. Sandrine. Donc je te mets dans Noël et dans la boîte de 1000 abonnés. Voilà. Merci beaucoup pour tes petites créations. Je bafouille. Et là, c'est Magali P. Donc là aussi, il y avait pas mal de choses. Et que j'ai pas encore tout regardé non plus, je crois que je l'ai pas encore ouvert. Ah si, je l'avais ouvert. Donc, je vais commencer par la carte, enfin, une grande carte de Noël. Donc avec l'essai de chez Action, avec c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Bah malheureusement non, c'est pas encore là. On est que samedi et encore 2-3 jours à attendre. Ça commence à être long. Merci, si tu aimes mes vidéos, c'est gentil parce que franchement, des fois, j'ai l'impression que je sais pas. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression de faire un peu pas brouillon, mais c'est un peu voilà. C'est fait comme ça. Je fais les vidéos, je les réfléchis pas, généralement, je le fais à l'instinct, donc j'espère que ça fait pas trop brouillon ou autre. Donc, merci franchement pour ta grande carte de Noël. C'est vrai, elle est vraiment énorme. Ça doit être une taille A5, si je ne me trompe pas. Donc franchement, merci beaucoup. Avec
L'essai de chez Action, franchement, merci beaucoup pour ta petite carte. Je ne m'attarde pas trop sur tes cartes parce que je voudrais qu'on ait le temps de regarder ceci, donc ton mini-album, si j'arrive à l'ouvrir. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc hop, donc il y a un petit ruban pour le fermer. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais l'enlever comme ceci. J'ai vu, c'est le papier de chez Nose Love to Craft avec les rennes. Franchement, j'ai pas eu le papier et quand je vois ce que ça donne, je suis un peu dégoûtée parce que moi, il n'y en avait pas. Et franchement, il est vraiment très très beau. Avec justement les demi-perles comme ceci. Moi, ça, ils en avaient remis, mais ils n'avaient pas mis le papier. Franchement, ça rend super. Là, on a fait une boule en mousse comme ceci. Avec un pingouin. J'adore le petit pingouin, il est vraiment très mignon. Hop, bon, je le rangerai après parce que. Ici, ça doit être l'essai de chez Action aussi de Noël. Franchement, ils ont fait des très très jolies choses à Action cette année. Donc, oups là. Ici. Ici, il y a une petite enveloppe. Je crois qu'il y avait quelque chose dedans, si je ne me trompe pas. Ah oui, ça, c'est les choses de chez Noz aussi. Ouais. J'en avais pris les blancs là. Je sais pas si c'est toi qui as fait la petite pochette, mais elles sont vraiment pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Sympa, sympa, sympa. Je me répète, je sais. Ouais, le petit cadre Love to Craft aussi. C'est vrai qu'il rend bien. Je sens la colle. Ouais, le petit nœud. Franchement, il est vraiment. Je l'avais, mais regardez le papier de chez nous, il est vraiment très très beau. C'est dommage, j'en avais pas. Ici, elle m'a mis un embellissement en bois comme ça. C'est un embellissement. Une suspension en bois comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Oh. Ah, si, je vois ce que c'est. D'accord. C'est un mini-album, mais avec les enveloppes. D'accord. Elle n'a pas fait gaffe, mais ouais, c'est des enveloppes en fait qu'elle a utilisées en fond d'album. Elle est vraiment beau. Hein. T'as bien choisi dans les couleurs bleu, blanc, en plus c'est ce que j'adore. Alors ici c'était des petits stickers Père Noël. Je les avais aimés ceux-là. Ils sont trop rigolos sur la luge. Ils sont. Les petites pochettes sont vraiment pas mal. Donc même les Polaroids. Sont beaux. Ah, celui-là il s'est un peu décollé, je crois. Ou c'est fait exprès. Non, c'est fait exprès, je pense, pour mettre une photo derrière. Donc voilà. Franchement, merci beaucoup pour ton mini-album. Vraiment très beau. Avec la collection de chez Noz comme ça. Ouais. Bah, t'as eu de la chance d'avoir ce papier-là parce que moi, il n'y était pas. Bon, j'ai eu pas mal de choses aussi, mais franchement, merci beaucoup. Il est vraiment trop beau. Donc tu as participé que pour le concours de Noël, si je ne me trompe pas. Hein. Je vais relire ta carte vite fait, vu que j'ai encore un peu de temps. Ok, donc oui, c'est bien ça. Donc, je vous remonte sa grande carte de Noël. Elle est vraiment très grande, c'est ouais. Bah une feuille A4 pliée en deux, quoi. Elle est énorme. Donc, franchement, merci beaucoup. Et franchement, ton. Franchement, franchement, franchement. Il faut que j'arrête de me répéter. Ça va pas. Hein. J'adore ton mini, vraiment trop mignon. Et ton bleu blanc en plus. Vous avez bien choisi les filles, hein, en bleu blanc, rouge et blanc, c'est ce que j'adore. De toute façon, hop, je fais du boucan vite fait un petit peu. Allez, rentre. Comme j'ai dit, il y a je crois que ça fait. Je me souviens même que moi je fais
Je crois que c'est tout. En gros, sur les deux concours, il y a 4 gagnantes. Mais pour toutes celles qui n'auront pas gagné, je vous enverrai un petit lot de consolation, donc une ou deux petites bricoles, pour vous remercier de ce que vous m'avez envoyé, ce que vous m'avez fait. Parce que pour cette année, vous avez bossé beaucoup et vous m'avez envoyé des belles choses, comme les mini-albums, ça donne beaucoup de boulot. Et je vais essayer de vous envoyer après. Ça sera pas tout de suite après Noël, parce qu'avec les gros colis, les gros lots que je devrais envoyer, je vous enverrai petit à petit les autres. Parce que ça va faire beaucoup déjà. Rien que celui des 1000 abonnés avec le puzzle, ça va. En frais de port, ça va être cher. Donc petit à petit, je vous enverrai un petit courrier pour vous remercier de votre participation. Voilà. J'ai oublié de. Voilà, discuter, c'est pas bien. Voilà. Donc, je t'ai écrit Magali F. EP. Magali P. Donc, le numéro 18. Donc, c'est plus l'année dernière. L'année dernière, j'avais eu 13 ou 14 participations. Et là, on est déjà à 18. Donc, je recevrai normalement, si tout va bien, le dernier courrier mardi. Et le tirage au sort se fera le 25. J'essaierai de faire dans la matinée, si je peux. Et de mettre la vidéo au plus vite. Donc, ça sera une courte vidéo pour qu'elle soit le plus rapidement sur YouTube. Donc franchement, merci beaucoup pour toutes celles qui ont participé et peut-être celles que j'ai pas encore reçues. Donc pour les dernières, je vais essayer de vous envoyer un email quand j'aurai le temps, parce que là, ces derniers temps, c'est un peu la course. J'ai encore les boîtes cadeaux de Noël à faire. Donc voilà. Mais franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Il y en a, pour certaines, vous m'avez gâté, vous n'étiez pas obligé de faire tout ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous et. Il y aura d'autres vidéos avant Noël, je pense. Mais je vous fais des gros bisous et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et vous retrouve du coup très vite, de toute façon, soit pour une ouverture de courrier pour si j'en reçois dans la semaine, sinon pour le tirage au sort des concours. Donc je vous fais des gros bisous et encore merci pour vos créations. Et encore bonnes fêtes. À très vite. Bisous.